On vit dans ce monde avec beaucoup de méfiance. On a des relations basées sur la méfiance. On a peur d'être victime de quelques personnes qui abuseront. Donc on se méfie. On passe notre temps à appréhender la relation. Donc toute relation qui va se faire, ce sera des relations qui sont faites sous l'égide de la peur, de la méfiance. Parce que tous, on veut prendre quelque chose de la relation. Nous ne savons pas avoir des relations gratuites. Gratuites, sans lendemain. Pour la plupart, notre vie est basée sur l'intérêt, le plaisir que l'on puisse retirer de ce que l'on fait. Tout l'effort qu'on fait pour pouvoir séduire, attirer vers soi, se donner de l'apparence pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit épris de toi, eh bien, c'est quelque chose qui est fait sous l'égide d'un intérêt. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté. Parce que c'est ce qui se passe. Il y a dans notre société cette façon, ces modes de vie qui ont été installés, où on t'a dit qu'il faut réussir pour pouvoir justement être celui qui plaît. Donc on a cet entendement dans les relations que si tu as réussi, tu vas être quelqu'un qui est glorifié, chouchouté, caressé dans le sens du poil. Mais si tu es quelqu'un qui n'a rien à montrer, alors tu es mis de côté. Tu n'es pas acceptable dans la communauté de ceux qui ont réussi. Et tout ça, c'est le grand défi de notre société. C'est faire en sorte que quand tu réussis, tu puisses te placer sur une échelle sociale et montrer ce que tu es et avoir de la valeur. Te donner de la valeur, te donner une image, une notoriété qui fait en sorte que les gens t'acceptent. Les gens reconnaissent que tu es quelqu'un qui a réussi. Si tu as pu avoir un bon poste, une bonne position dans cette société, alors tu vas être entouré de gens qui sont très intéressés. Parce que tu as la capacité, tu as le pouvoir de faire en sorte que tous les privilèges puissent se perdurer. Privilèges, l'argent, les positions, le plaisir de pouvoir donner du plaisir. Si tu es pauvre et que tu n'as rien à offrir, alors les gens ne seront pas autour de toi. Ils sont autour de toi seulement par pitié. Parce qu'ils pensent que tu es quelqu'un qui a besoin de leur regard compatissant. Donc ils vont être au-dessus de toi avec ce regard arrogant où eux, ils ont réussi et toi, tu es en bas. Mais personne ne va t'emmener à leur niveau. Tu vas toujours rester en bas. C'est ça notre société. Notre société, c'est
toujours plus, toujours mieux, pour pouvoir être encore mieux et se faire davantage de privilèges pour pouvoir être dans une position où tu restes au-dessus de la mêlée. C'est la devise. C'est comme ça que notre société elle est faite. Et en règle générale, c'est comme ça que tous les modes de vie sont construits autour de ces conditionnements que nous avons. Nous avons été conditionnés à réussir. Va à l'école, prends bien, tout ça. On te demande d'être ce que le monde aspire le plus. Et ce qu'on aspire le plus, c'est avoir la sécurité du plaisir qui a été mis en place. Donc si tu es conforme à la norme, tu vas pouvoir jouir de tous ces plaisirs. De l'argent, de la gaieté, des plaisirs mondains, des choses, des gadgets et tout ça. Tu vas pouvoir t'en offrir. Et tu seras dans la mouvance d'une société où tout le monde va s'accepter les uns les autres, tout en se bagarrant bien sûr pour être au-dessus de l'autre. Mais ce sera une société conforme à cette norme qui a été établie comme ça. C'est-à-dire, le plus fort doit se montrer et le plus faible doit se soumettre. C'est ça notre société. Le plus faible se soumet. Celui qui n'a rien, il est mis de côté. Et tout le reste au-dessus gouverne pour lui dicter comment il doit se comporter envers ceux qui ont réussi. Du respect, de la soumission, tu dois faire ce qu'on te dit. Parce que tout tourne dans le sens où nous sommes esclavagés par le besoin du plaisir. C'est-à-dire ce plaisir que nous cherchons tellement dans nos privilèges, dans nos possessions, tout ce que tu as pu amasser, parce que tu as séduit, parce que tu es quelqu'un qui a donné une bonne allure à l'autre, donc tu es séduisant. Et l'autre, il est accaparé par ce phénomène que tu montres, c'est-à-dire cette image que tu te donnes, cette apparence que tu as. L'autre, il est subjugué. Et il veut être en contact avec ça, parce que c'est ce qu'il cherche aussi. Il cherche la notoriété, il cherche le pouvoir, il cherche à être au-dessus de la mêlée. Donc, en étant avec ceux qui ont réussi, eh bien, on a l'espoir aussi de réussir. Et ça fait que le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous l'avons vu évoluer à travers les âges et les âges, c'est que le pouvoir va s'étendre à un corpuscule, puisque c'est l'évolution de la race humaine. Tout le monde veut atteindre. Et au bout d'un moment, nous l'avons fait. Nous avons atteint ce que nous voulions depuis notre fort intérieur, pour pouvoir réussir, pour pouvoir séduire, pour pouvoir être en sécurité, eh bien, nous l'avons fait. Et nous avons ce que nous avons là, en face de nous, c'est le monde que nous connaissons. Tu es celui qui a élaboré le monde de cette manière. Parce que tu as voulu ce plaisir. Et maintenant, tout ça est installé. Et on subit ce qui a été installé. On subit la pression des autres pour que tu puisses aussi devenir ce que la société propose. Toute cette norme établie, il faut que tu acquiesces ça. Il y a toute une volonté collective qui t'y emmène. Et si tu ne le fais pas, alors tu seras laissé de côté. Et là, justement, commence le chemin vers la liberté. Parce que quand tu comprends que tout ça, ça t'emmène
à t'emprisonner tout seul, à être soumis, à être esclave, à être dépendant de ce que le monde propose. C'est là que il vient en toi, il y a cette intelligence. Mais cette intelligence ne peut être là que s'il y a de l'humilité. Cette humilité de voir que tu n'es rien et accepter que tu es rien, que tu es en bas de l'échelle. C'est tout ce que tu es. Tu peux croire que tu es quelqu'un qui est arrivé quelque part, mais nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas quelque chose qui arrive quelque part. Nous sommes ce que nous sommes, là. Sans notoriété. Sans ce besoin de montrer à l'autre que nous sommes au-dessus de lui. Parce qu'il n'y a personne au-dessus des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir réussir, pour pouvoir continuer à avoir mieux, pour pouvoir se projeter dans un futur où on pourra avoir nos rêves. Le rêve de l'homme se fait à travers tout ce qu'on invente pour pouvoir faire en sorte que demain sera mieux. C'est le rêve de toute une humanité, ça. Tout le monde court là-dedans. C'est un courant qui nous aspire. Nous voulons mieux. Nous voulons être au-delà de celui qui est rien, de celui qui a rien, de celui qui n'est pas aimé, de celui qui est banalisé. Le clochard, l'enfant qui n'apprend pas à l'école. On le banalise, on le met de côté. Il n'est pas glorifié. On glorifie seulement ceux qui ont de la niaque, ceux qui ont de l'arrogance d'être celui qu'il devrait être pour pouvoir planer au-dessus des autres. Et là, la vie, si tu sais l'écouter, elle te dit cesse de faire ça. Parce qu'en faisant ça, tu détruis ta joie de vivre. Parce que ta joie de vivre n'est pas dans ce que tu as pu faire pour devenir ce que tu es. Mais ta joie de vivre, elle est dans ce que tu es pour de vrai. Sans que cette existence de soi puisse être modifiée. Puisque tu as toujours été comme ça. Tu n'as pas besoin de devenir quelque chose que tu n'es pas. Ce que tu es, c'est ça. C'est un petit rien, démuni de tout, et qui est simple d'esprit, qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien. C'est ça ta vraie nature. Mais on t'a fait croire qu'il faut réussir. Donc notre société, elle est dans cet état où tout le monde cherche un échappatoire pour arriver à être celui qui est au-dessus de la mêlée. Et là, tu as l'occasion de montrer toute ton arrogance. Tu regardes le monde, les riches, les gens qui ont tout. Il y a beaucoup d'arrogance. Au-dessous, les gens n'ont rien. Et comme ils n'ont rien, eh bien, ils se plaignent. Ils se plaignent de ne rien avoir. Donc ça fait une bataille entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien. Donc des batailles se font dans le monde entier. Parce que ceux qui sont arrogants font la guerre pour continuer à garder leur arrogance. Et tout le reste est dans cette condition où on cherche un peu de répit à la pression que toute cette puissance nous met dessus. Et là on dit, ne cherche plus à aller dans ce sens-là. Au contraire, va dans l'autre sens. Accepte d'être rien. Accepte de ne rien vouloir, de ne rien attendre.
Et tu verras que toute la tracasserie que tu as traînée avec toi toute ta vie, eh bien, elle s'en va. Tu n'as plus de tracas. Tu es libre. Tu restes avec ce qui est immuable. Alors que toute cette activité de devenir, c'est quelque chose de dangereux pour toi-même. Parce que tu vas souffrir. Tôt ou tard, tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'humilité. Le rien. C'est celui qui sait aimer. Il aime voir le coucher du soleil. Il prend plaisir. Il voit l'oiseau qui prend son envol. Il pleure d'émerveillement. Est-ce que tu crois que celui qui est occupé à se faire valoir, il a le temps de regarder ce coucher de soleil et en être émerveillé à ce point? Ça veut dire que celui-là ne connaît pas la vie. Et là, la vie te dit, laisse tomber toutes ces choses que tu penses pouvoir atteindre, que tu penses devoir atteindre, parce que tu as été matraqué toute ta vie par l'oppression de la société. La volonté collective t'a emmené à croire que tu dois devenir quelqu'un, alors que tu es rien. Rien de tout ce qu'on t'a dit d'être. Et là, c'est quelque chose qui choque celui qui veut être quelqu'un. Parce que, en fait, il ne peut rien être d'autre que ce qu'il est. Ce que tu dois devenir, c'est une apparence, c'est du vent, c'est quelque chose que tu fabriques pour exister. Mais qui existe à ce moment-là? C'est celui qui veut. C'est celui qui est malheureux, parce qu'il a peur d'être face à lui-même. Parce que ce que tu es, c'est un rien. Et tu ne l'as pas accepté. Tu as écouté la volonté collective qui t'a dit non, il faut devenir quelqu'un. Et nous avons dans ce monde toute cette arrogance où tout le monde te supplie de devenir quelqu'un pour que je puisse m'intéresser à toi. Personne ne s'intéresse à celui qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui est juste là à rester avec l'ordre naturel de la vie. Il est dans son ordre naturel, celui-là. C'est ça, ta vraie nature, c'est d'être là sans rien attendre de rien. Ça veut dire que tu es en paix, tu n'es plus en train de faire des choses pour arriver à être ce que le monde attend de toi. Donc toute cette arrogance que nous voyons dans le monde, c'est le résultat de nos actions à vouloir devenir ce qu'on n'est pas. Et regarde bien, tu verras, c'est facile à voir que nous tous, nous voulons être ce que le monde attend. Parce qu'on a peur que le regard de l'autre nous soit désagréable, qu'on soit jugé. Parce que l'autre va te juger si tu n'es pas à la norme de ce qui est attendu de toi. Ici, dans ce monde, on te dit, ben, va à l'école, apprends bien. Il faut devenir. Il faut que tu réussisses ta vie. Mais de quelle vie on parle là? Réussir quelle vie? La vie de tous tes déboires, tes insatisfactions, tes peurs, tes frustrations, c'est ça? Réussir sa vie. C'est ce qu'on te propose. Réussis ta vie pour devenir justement tous tes problèmes et pour les passer à tes générations. Tu leur montres pas la joie de vivre, tu leur montres la tristesse de vivre en courant après ce qu'ils devraient devenir. Donc on demande à nos enfants de devenir, on en est fiers.
Quand ils sont devenus quelqu'un, ils ont fait des grandes écoles, ils sont ingénieurs. Il y a une fierté là-dedans. Cette fierté, c'est l'arrogance de notre société. Parce que la société, justement, elle impose toujours plus et toujours plus aux petits. Et ce sont ceux qui ont réussi qui le font. Tu es programmé pour réussir, pour arriver au-dessus de la mêlée. Et quand tu fais ça, tu écrases sous tes pieds le débonnaire, le juste, celui qui ne se plaint pas, celui qui est amour. C'est ça que tu écrases. Parce que tu lui imposes tes règles. Et tes règles sont désastreuses. Parce que tu regardes le monde aujourd'hui, c'est ce qui en résulte. Le résultat de toutes nos activités, c'est ce que nous voyons dans le monde. Quand tu vois le monde, pose-toi la question. Pourquoi il y a toutes ces guerres? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi les gens ne mangent pas à leur faim? Pourquoi il y a cet acharnement envers celui qui n'a pas fait son travail comme il fallait? Pourquoi on esclavagise celui qui nous sert? On cherche des serviteurs pour faire en sorte que la petite vie que je me suis mis en place puisse continuer. Parce que j'attends de quelqu'un, j'attends que lui, il va me donner tout le plaisir que j'ai besoin. Et ça, c'est de l'arrogance. Tant que tu veux quelque chose de l'autre, tu vas créer ce phénomène dans le monde où il y aura celui qui est arrogant et celui qui est soumis à cette arrogance. Et tout le monde essaiera de s'en sortir. Une rivalité terrible. Et là on dit, laisse tomber, ne fais rien. C'est pas grave d'être soumis, mais ne veux rien. Parce que si tu ne veux rien, ben tu ne soumis. Que tu sois soumis ou pas, tu ne subis pas ce que le monde propose, puisque tu veux rien. Donc pour toi, plaisir ou pas plaisir, tu n'es pas connecté à ça. C'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est pas d'avoir du plaisir ou de ne pas avoir du plaisir. Ta vie, c'est d'être en paix. Et dans la paix, tu n'as pas besoin de plaisir. Parce que le plaisir n'est pas la paix. Et on croit que ce plaisir nous sortira d'affaires, nous donnera la paix. Donc on veut toujours une petite guerre pour avoir la paix. C'est ce qu'on croit dans ce monde. Donc on fait la guerre pour avoir la paix. Mais ça ne marche pas. Tu peux voir autour de toi. Le pire ennemi, c'est toi-même. Quand tu crois qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Quand tu crois qu'il faut contrôler pour que l'autre puisse être à ton goût. C'est ça qui crée le monde de cette manière. Toutes ces disputes, ces batailles, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut. Quelqu'un qui veut être servi par l'énergie de ce que l'autre va donner. Ça, c'est de l'arrogance, c'est de l'égoïsme. Et là, on dit, sors de ça. Parce que plus tu ne feras rien, tu seras capable d'être celui qui est innocent de tout ça. Parce que c'est toi-même qui fais exister celui qui est au-dessus de toi. Par ta soumission. Et là, on dit, laisse tomber. Laisse-le tranquille avec ses plaisirs. Tu n'en veux pas, toi. Tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin d'être en paix.
et tu ne réagis pas à tout ce qui se passe autour de toi. Ça veut dire que là, en toi, réside la paix. Et cette paix ne veut rien. Tu ne réagis pas à rien. Quelque chose arrive, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne réagis pas. Ça veut dire que tu restes en paix. Donc rien ne se fait. Et quand rien ne se fait, ben, le chaos s'estompe. Tout ce qui est fait pour que l'arrogant puisse exister n'a plus de sens. Puisque personne ne donne de l'eau au moulin. C'est le fait de ne pas réagir à tout ça. Mais on réagit parce qu'on a peur. Et c'est ça qui fait continuer le monde tel qu'on le connaît. Parce que on a peur. On a peur de ne pas avoir ce que la norme établie nous a promis. Et la norme établie t'a promis que tu auras tous les privilèges que tu veux pour pouvoir être bien. Ton bien-être dépend de tous les privilèges que tu peux gagner. Donc tu es omnibulé pour réussir, pour gagner tout ça. Et donc le fait que tu sois comme ça, eh bien, c'est toi qui fais exister la société de cette manière. Quand tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu es gratuit. Qu'est-ce que quelqu'un va prendre de toi ? Il n'y a plus rien à prendre. Parce que tu ne veux rien, tu n'attends rien. Donc c'est toi qui es maître à ce moment-là. Si c'est toi qui donne, si c'est toi qui mets le là, si c'est toi qui dis on va faire comme ça parce que je t'aime, mais sans condition, tout simplement, on va faire comme ça. C'est toi qui décides de faire ça. C'est toi qui mène la vie alors. Il n'y a plus personne envers qui tu es dépendant pour pouvoir trouver un peu de bonheur. C'est toi qui mets le là. Parce que tu ne veux rien, tu n'attends rien. Tu es juste un paquet d'amour qui envahit les relations et qui change le monde. Où les gens, ils n'ont plus envie d'être arrogants. Parce que tout ça, ils s'aperçoivent que ce que tu as, que tu vis là, c'est quelque chose que eux, ils attendent aussi au fond d'eux. Parce qu'ils sont coincés dans ce système vicieux là. Où ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Une grande souffrance là-dedans. Et quand toi, tu ne souffres pas et que tu es là, ça fait réfléchir un peu. Les gens réfléchissent et se disent, waouh, la vie avec celui-là, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'il n'attend rien, il ne veut rien, donc il est libre. Et peut-être, en étant ça, tu seras un petit phare au milieu des ténèbres. Mais tu seras visible.